FGI, Fréquence Guitare Issoudun, la radio du Festival de la Guitare d'Issoudun sur 99.4. Merci Jacques, il est resté avec nous Jacques, il adore Jimi Hendrix, ah oui, bien c'est sûr, ce, qu'on dit, ce que nous avions découvert, avec, un peu avec surprise d'ailleurs, Gallagher et Hendrix. Tout à fait, et moi j'aime la guitare acoustique et comme je le disais, bah, j'aime à la fois de mélanger mes morceaux qui peuvent parfois être très tendres et très romantiques, comme je le dis souvent, avec des arrangements d'Hendrix, et comme ça fait un concert qui va un petit peu dans des directions parfois opposées, mais ça donne beaucoup de dynamique à un concert, et c'est ce que j'aime faire. Mais jamais tu n'as pris une guitare électrique? Jamais, j'en ai même pas à la maison. Et pourtant, mes deux guitaristes préférés que j'écoute tout le temps sont Rory Gallagher Tu as 3 jours avec nous, les luthiers sont là avec nous demain. Jamais, vraiment. Non. C'est un instrument qui ne m'attire pas pour le jouer. Donc, je suis un amoureux de la guitare acoustique. Tu as toujours joué seul, finalement? Toujours joué seul. Jamais j'ai joué au début de ma carrière de musicien professionnel. Ouais. J'ai joué dans des groupes parce que c'était un peu... Il fallait le faire pour gagner sa vie. Mais à partir du moment où je peux jouer seul, je savais que c'était ce que je voulais faire. Alors, tu es venu avec ta guitare, on le verra sur les images, sur YouTube, une belle guitare, alors qui porte ton nom même, c'est ça? Oui, Martine a sorti un modèle signature pour moi. J'ai d'être un des rares guitaristes à avoir un modèle signature Martine. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent? Qu'est-ce que tu voulais? Je dis toujours que les guitares se ressemblent toutes, et en fait, elles se différencient dans les détails. Et les guitaristes sont des musiciens très pointilleux qui aiment bien avoir les manches d'une certaine largeur, les frettes, les barrettes d'une certaine grandeur. Tout est fait selon tes volontés. Voilà, c'est le ça. Manche, à partir du moment où Martine décide de faire un modèle signature pour un artiste, évidemment, on est libre de faire le design de la guitare comme on l'entend, à partir du moment, évidemment, où ça doit rester une Martine quand même. Et puis, alors, le principe... Comment dire, le système d'amplification est particulier aussi, je crois. Il est particulier, mais c'est quand même un système qui se trouve facilement. Moi, je suis un utilisateur de Fishman depuis longtemps. J'aime beaucoup les systèmes Fishman parce qu'ils permettent d'avoir un son très, très neutre, très acoustique et très polyvalent et de ne pas avoir jamais de problème de Larsen. Donc, c'est un système qui s'appelle le Fishman Ellipse Blend, un mélange entre le capteur de chevalet et le micro Rosas, qui est un micro à condensateur. Voilà. Donc le micro donne ce son acoustique qu'on aime. Et le capteur donne la puissance. La puissance. Et sans Larsen. Alors ici, c'est un petit peu différent. Nous sommes en live, en direct. Juste avec un micro. Un seul micro. Et je te laisse le soin de choisir ton morceau. C'est un morceau, en fait, qui débute souvent mes concerts. Comme je parlais d'influence acoustique rock, c'est un morceau qui s'appelle 21. Thank you.
Merci. Ah, ça fait du bien, ça. Bravo. Merci. Alors, c'est très curieux, Jacques, c'est qu'on a presque quelquefois l'impression d'entendre une 12 cordes, et c'est une 6 cordes. Ah oui, oui. Avec oui, un seul fait. Micro, il n'y a pas, pas d'artifice. Mm-hmm. Et si je puis me permettre, je ne sais pas si tu vas le ressentir comme un compliment, il y a quelque chose qui me rappelle Jimmy Page à l'acoustique. Ah ben bien sûr, ah, c'est un compliment. Oui, oui. Moi je dis toujours que j'aime je n'ai pas de barrière de musique, de style, parce qu'en fait, pour moi, il y a tellement de choses que j'aime bien. Et j'ai évidemment écouté tous ces guitaristes de rock, même aussi Steve Howe, par exemple, qui de temps en temps prenait la guitare acoustique, et ils m'ont beaucoup influencé. C'est le groupe Yes, hein, c'est groupe ça Yes, oui, oui. Tout à fait. Oui. Il y a un beau film, d'ailleurs, j'ai oublié le titre, où on le voit jouer de la guitare acoustique. Ah, c'est bien possible. Alors, on va entrer dans les détails. Oui. Et comme on a adoré, eh bien, je te demanderai, s'il te plaît, de nous offrir un deuxième titre, alors, avec c'est possible. Je rappelle que tu es en concert à partir de 20h30 à l'auditorium. Alors, je peux avoir un peu de retour de la guitare plus dans le casque parce que je ne m'entends pas trop. Et ben, on parlait tout à l'heure des arrangements classic rock, c'est un morceau de U2 qui s'appelle Wither Wither. C'est énorme, mérité. Merci, ça, merci. Ça, j'aime beaucoup cette façon que tu as de laisser résonner les cordes. Ah oui, tu oui. T'aimes bien remplir l'espace. Là. J'aime bien remplir l'espace et j'aime beaucoup les mélodies. Et je dis souvent que, en fait, pour moi, mon style de guitare, c'est un mélange entre énergie et mélodie. Parce que les mélodies, pour moi, c'est tellement important et j'aime beaucoup de laisser chanter la guitare. Et,
Et je dis souvent qu'il vaut mieux que je laisse chanter la guitare que de me laisser chanter moi-même. Donc c'est un choix que j'ai fait depuis des années, mais c'est un choix que j'aime beaucoup, qui me motive dans la musique, à écrire des morceaux où la guitare prend vraiment la place. La guitare respire, voilà, c'est ça. Hein. Oui, merci Jacques. Rendez-vous ce soir. À partir de 20h30, oui. Sur la scène, juste à côté de nous, à l'auditorium. C'est très sympa, et merci d'être resté avec nous quelques instants supplémentaires. Merci beaucoup, merci Jacques. Merci aussi. Hein.